partie euh, très intéressante qui est la notion de pré-réglage. Cette notion de pré-réglage, euh, c'est comme son nom l'indique justement, un moyen de, de pré-enregistrer tous les réglages que vous aurez fait, Là j'en ai enregistré quelques-uns. Euh, voilà, je voudrais passer rapidement d'un format 4K, 50 images par seconde. Alors j'ai pas tout mis dans le texte, mais en gros, si je bascule sur ce format 4K, je fais charger ce format. et eh bien, il va m'avoir réglé la résolution que je souhaite, le ratio, le système également le, le filmique extrême que j'avais mis dans mon pré réglage. La résolution est en 50 images par seconde. En audio, je suis un 48 kHz PCM avec tous les micros qui sont activés. Voilà tout ce que j'ai en fait réglé. Euh, y compris d'ailleurs euh, par exemple dans la partie euh, appareil, il euh, y a une zone qu'on n'a pas décrite par exemple qui est le verrou d'orientation. Alors ça, ça permet justement, euh, quand c'est activé, de rester en mode paysage sur votre téléphone, même si vous orientez votre téléphone en mode de portrait. Et bien euh, si vous aviez besoin et euh, eh bien de passer, je retourne dans ces pré-réglages, euh, rapidement d'un format, alors vous voyez que stage d 1080, c'est du 1080 en format 1 pour 1, au format carré, mais j'ai un petit réglage en bas, euh, TikTok, justement, et euh, quand je vais appuyer dessus, euh, donc le TikTok euh, utilise, ce format TikTok utilise en fait plutôt un format non pas 16 9 mais 9 16 donc là, en résolution, on a en fait ici quelque chose qui est toujours en 16 neuvième. Par contre, eh bien, dans la partie réglage appareil, vous voyez que le verrou d'orientation a été décoché. Ça veut dire que si je manipule mon téléphone, voilà, ça va me permettre eh bien, de faire basculer les commandes en bas de, de mon écran et de pouvoir euh, donc, capter ce que j'ai besoin de, de capter. Et ensuite, eh bien, une fois que j'aurai terminé mon enregistrement, je pourrai repasser le cas échéant à un plan standard 16 neuvième, par exemple. Voilà, donc euh, si jamais je viens ici, euh, dans mes pré-réglages, je reviens à mon format 4K à 50 images par seconde, je fais charger, si je vérifie dans l'appareil, cette fois-ci, vous voyez qu'il y a un verrou d'orientation, euh, et si je reprends à nouveau mon téléphone, que je l'oriente dans l'autre sens, vous voyez que les commandes restent en fait... Euh, sur le côté gauche et donc on n'a pas du tout euh, ce basculement des, des commandes et cette interface responsive qui se basculerait en mode portrait donc ça c'est pas mal justement de, de pouvoir faire ces, ces pré-réglages donc euh, le concept c'est quoi ben, c'est vous faites tous les réglages que vous voulez et vous allez ensuite et eh bien euh, cliquer sur cette partie pré réglage vous cliquez sur enregistrer et à ce moment là il va vous demander de donner un nom à votre pré-réglage et une fois que c'est fait et eh bien vous allez pouvoir justement l'enregistrer le, le, de façon définitive. Alors, faisons un exemple, on va partir par exemple d'un format. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour gagner un petit peu de temps, Partir d'un format déjà existant. Donc là, ici, je vais faire un, un réglage slow motion, par exemple, donc un ralenti euh, extrême à 240 images par seconde. Mais je vais quand même partir de ce format HD 1080 50 images par seconde. Ça va me permettre. Je vais vérifier, mais on suis bien en 16 neuvième, HD 1080 8 bits filmique extrême. Et je vais juste aller euh, choisir 240 images par seconde. Je vais venir ensuite vérifier l'audio si c'est bon, c'est OK. Voilà, globalement, vous voyez, je suis parti d'un pré-réglage déjà existant. Je viens simplement le modifier pour la partie fréquence d'image. Et je viens justement cliquer sur le bouton Enregistrer et enregistrer sous la forme d'un slow motion ce pré-réglage. Donc si je valide, eh bien, j'aurai dorénavant, vous voyez, un élément supplémentaire dans ma liste. Donc je pourrais basculer comme je veux de l'un à l'autre ensuite si un réglage n'est plus du tout d'actualité eh bien vous allez pouvoir faire un, un slide un mouvement latéral vers la gauche soit vous renommez ça vous permet donc de donner un autre nom que le format que vous aviez choisi initialement soit vous pouvez également supprimer euh, le, le pré-réglage si vous vous êtes trompé vous basculez vous rebasculez vers la droite un mouvement de gauche à droite pour revenir à l'état initial. Donc, les pré-réglages, voyez, ça vous permet de gagner quand même un temps assez, assez important et vous pouvez vous faire aider aussi, c'est ça qui est intéressant, vous faire aider par quelqu'un qui maîtrise un peu la situation et qui vous intégrerait des, des, des pré-réglages.